C'est une journée des anciens combattants. Ben, tu sais, Charles, il finit ici, mais il est comme à la maison, parce qu'il a travaillé tellement longtemps, il fait partie des meubles. Il m'a dit, c'est un de mes meilleurs amis. On a habité longtemps ensemble. On dansait tout nu. On a commencé au taquet ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus. La même semaine. Ouais. Tout le monde se connaît, on a tous des vieux amis, avec Hugues puis Mehdi, puis avec le chef Guillaume Sylvestre aussi. La chose, c'est comme c'est ma sœur, ma muse, ma meilleure amie. Psychologue. La psychologue, ma femme de ménage, ma coloc. Bon, on a commencé, on s'haïssait à la face. Ouais, c'est vrai, on s'haïssait au début. Puis là, après ça, on est tombé en amour. Ouais. Ça se renouvelle. Ouais. Ça se renouvelle sans cesse. Comme ici, il y a beaucoup de monde, c'était un peu désorganisé. Il m'a appelé pour un peu enligner tout le monde aujourd'hui. Parce qu'avec Saint-Chef, tout ça, c'est un peu compliqué. Je pense après avoir passé presque 10 ans ici, tu sais, Guillaume connaît bien la place. Ça, moi, ça me sécurisait. Pas toi dans toutes tes Montréal Ville en Lumière. Là, c'est une très belle vitrine pour Montréal quand même. On peut recevoir des chefs de partout. Ça permet de faire des belles rencontres. Ouais. Moi, ça m'a permis de travailler à l'étranger un petit peu. C'est un très beau festival. Là. Guillaume, on le connaît tous. Puis ça fait du bien aux jeunes aujourd'hui parce que c'est le plus ancien de la gang. Ben, le plus vieux ou plus ancien, on peut dire quasiment. Ça baquait les jeunes. Il est là. C'est insolide. C'est quand même le fun. C'est 21 ans, Toki. C'est 21 ans, puis c'est grâce à des jeunes comme ça qu'on réussit à être là aujourd'hui. Hein. Normalement, il est extraordinaire. C'est un gars de conviction, c'est un gars de produit. C'est un gars qui déterrait avant que les autres ont commencé à le faire. Et puis, c'est un gars de rigueur, puis qui est un gars de très bon goût. Là. C'est quand même le fun de retrouver ses anciens. Puis moi, je pense qu'avant tout, je vois ça pour Montréal, bien, c'est sûr pour nos clients à nous, mais avant tout pour l'équipe qui est derrière. Puis la Next Generation est derrière, puis c'est le fun pour eux autres. Je pense que l'échange aujourd'hui, les jeunes qui sont là, c'est un exemple de voir le sérieux de ces jeunes-là.